Car le jeûne, ayyou al-musalloun, c'est le fait de jeûner avec sa langue, avec son comportement. Et là, je m'adresse aux musulmans et musulmanes de manière générale, bien sûr, mais particulièrement aux jeunes. Et permettez-moi de dire, et particulièrement aux jeunes musulmans qui vivent et qui passent les nuits du Ramadan dehors dans certaines cités de France et d'ailleurs. Alors, je ne dis pas que dans toutes les cités, il n'y a que des musulmans, loin de là. Mais je fais un constat qui est réel, qui est que beaucoup de jeunes musulmans dans des cités, même s'ils sont loin des pratiques religieuses, wallahi, au fond d'eux, dans le plus profond de leur cœur, la plupart d'entre eux ont un amour ardent vis-à-vis de leur Seigneur tabaraka wa ta'ala et du prophète Mohammed alayhi afdal salati wa zakat taslim. Ils ont un énorme potentiel, mais malheureusement quelquefois la mauvaise ambiance, les circonstances, le fait qu'ils soient tous réunis, eh bien fait que il se passe des choses quelquefois au nom de l'islam, du jeûne, sans qu'ils le sachent indirectement et qui n'a rien à voir avec l'islam, comme les comportements qu'on voit. Alors au lieu de passer ses nuits en prière, ou du moins une partie de la nuit, au lieu de comprendre que le jeûne c'est jeûner avec son comportement, jeûner en montrant le meilleur des exemples, sans porter préjudice à autrui, et surtout sans porter préjudice aux voisins, sinon Dieu n'a pas besoin de ton jeûne, eh bien pendant le mois du Ramadan, ils se réunissent en attroupement, en dérangeant tout le monde au nom du jeûne, parce que la journée du jeûne, on s'est abstenu le soir, c'est comme s'il disait indirectement, on peut se lâcher. Et quelquefois, eh bien, certains jeunes font des catastrophes et font des choses dont on a du mal à imaginer pendant les soirs du Ramadan, alors qu'ils n'osent même pas les faire en dehors du Ramadan, sachant que pendant ou en dehors du Ramadan, cela reste condamnable. Ont-ils oublié que le prophète, alayhi afdalu salati wa azkat taslim, dans le hadith rapporté par Muslim, a dit à trois reprises, et avant tout, je m'adresse à ceux qui disent « Oh, cela parle toujours des voisins, il n'y a pas d'autre sujet. » Si tu dis cela, tu n'as rien compris à la religion, reprends tout à zéro. Comment dire ça alors que le prophète dit à trois reprises « Wallahi la yu'min » Par Dieu n'est pas croyant. Par Dieu, il jure. Wallah, imagine-toi, le prophète de l'islam jure à trois reprises. Ils ont dit « Qui est au messager de Dieu ?»« Man la ya'manu jaruhu bawa'iqa » Celui qui ne préserve pas son voisin de son propre mal. Le prophète alayhi salam, dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi bi sanadin hasan, dit les meilleurs des voisins auprès de Dieu, Allahumma ja'alna minhum, ce sont les meilleurs envers leurs voisins. Le prophète alayhi afdalus salati wa zakat taslim fi sahih, il dit ma zala jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril n'a cessé de me recommander la bonté, le bon comportement vis-à-vis des voisins, peu importe leur confession, jusqu'à ce que j'ai pensé qu'il allait avoir une part d'héritage. Tellement que Jibril, l'ange Gabriel, a rappelé au prophète alayhi salam la grande importance que le voisin a auprès de Dieu. Plus que cela, Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, il dit husnul jiwar laysa kaffa al-adha wa innama husnul jiwar ihtimal al-adha. Où sommes-nous par rapport à ces paroles, billahi alaykoum? Il dit Al-Hasan al-Basri, ce grand tabi'i qui a vécu ici à l'époque du calife de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda, le bon voisin, ce n'est pas celui qui va préserver son voisin de son propre mal, qui va éviter de causer des torts à son voisin. Alors imaginez-vous, que dire des gens qui portent préjudice à leur voisin, alors que lui il dit, ça ne se limite pas à ça. Il dit, le bon voisinage, le bon voisin, celui qui a compris cela, c'est de supporter les méfaits de son voisin. Où sommes-nous par rapport à ces paroles-là? Des personnes ne supportent même pas, c'est eux qui portent préjudice à leurs voisins. Et je m'adresse aux jeunes dans les cités, pas que eux particulièrement, des gens même en venant à la mosquée, et c'est pour ça que je dis quelquefois, des gens le font au nom de l'islam, sans le savoir, au nom du jeûne. Siyam au Ramadan, il vient pour Tarawih, il prie deux rak'at, il rentre chez lui, il fait ce qu'il veut, il a le droit. Et il reste sur les esplanades où il parle tard le soir dehors et il dérange les gens. Et il a oublié que des gens travaillaient le lendemain matin. Si c'est pour faire cela, ya Abdallah, eh bien il est meilleur et préférable pour toi de rester chez toi, tout simplement. Parce que ici, porter préjudice à son voisin est haram, interdit. Respecter son voisin est obligatoire. Et salat al-tarawih, à l'unanimité des savants, elle n'est pas obligatoire. Donc si tu fais devancer une chose surérogatoire pour tomber dans une chose haram, interdit, et délaisser quelque chose d'obligatoire, eh bien c'est que tu n'as rien compris à la religion, ya Abdallah.